Marie Béarnais? Yes, my dear. How are you today? I'm fine. Are you okay? Are we going to have a cup of tea, sure. Both of us? Sure. Genau, oh, genau. Nice. Okay, can I join you? Yeah, sure. Come on. It's a high time to test something. Take your time, in the house baby. Of the mother yes. All right, now. Thank you. Oui. Les gens qui viennent de nous rejoindre, ils ne savent pas du tout pourquoi on parle de ça. Mais... non, puis en plus, avec niveau bilinguité. Je ne sais pas pourquoi est... tous les jours de cette semaine, je n'ai jamais mes fiches ici. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est moi qui ai les vôtres, parce qu'en fait, je n'ai pas les miennes. Ah, bah, gardez-les. Oh, non, vous savez, je suis là pour écouter. Hein. Moi, de toute façon, je maîtrise mon sujet, vous savez, car à la maison, on essaye de parler un petit peu. Mais c'est bon, c'est pas hyper efficace, quoi. Parler d'autres langues. Merci, mon petit bonhomme. Il est mignon, bien urbain. Oui, alors c'est pas forcément facile et c'est vrai que l'apprentissage des langues à l'école ne se fait pas toujours. Ça va dépendre si l'enseignante est habilitée ou non, ça va dépendre des disponibilités. Donc moi j'avais envie à la maison qu'ils travaillent un petit peu l'anglais et l'italien parce que ce sont les deux langues que mes enfants ont choisies pour le moment. Et j'ai donc dégoté des petites applis, des petits lits, des petits jeux, des petits trucs. Pourquoi ? Parce que ce sont pour les petits. Et oui, alors l'appli Oli et Oli, je vous la remonte parce que je la kiffe et puis parce qu'en plus ils ont mis un truc spécial Noël. Hop, regardez, c'est ma tablette hyper rapide. Alors pourquoi je l'aime ? Parce qu'elle est vraiment accessible au tout petit, à partir de 3 ans. En fait, elle est très bien parce qu'elle est limitée dans le temps. Ça veut dire que vous allez pouvoir indiquer l'âge de votre enfant, vous allez pouvoir indiquer son niveau scolaire, ça va à partir de 3 ans, donc petite section, jusque 10, 11 ans en l'entrée au collège. Et cette application va donc vous guider, voilà, donc Benjamin, Agathe, va donc vous guider. Connecte-toi, oui, vas-y. Parce que tu... Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir de l'oral, puisque votre enfant va pouvoir parler, écouter. Ça, c'est vrai qu'une maîtrise de la langue, Tuesday, it's your turn, Agathe. Alors, je vais peut-être... Je ne sais pas si on va we're bien not entendre. Tuesday, we're Wednesday, oh, but it's okay. Yes, because I don't... my tablet is a bit... Christmas time. Christmas time. Donc voilà, l'enfant va être en autonomie sur la tablette. Vous allez voir qu'il va y avoir des sons à écouter, des sons à prononcer et un travail discover. C'est-à-dire qu'on va déjà discover. Mais c'est à partir de quel âge, ça? À partir de 3 ans. Ah ouais? Et là, alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le soir, donc mes enfants arrivent, ils font chacun leur petit exercice sur la tablette. Garlands. Vous saviez qu'on faisait des garlands? Pas du tout. Voilà, moi non plus. Christmas candles. This I knew. Donc voilà, l'intérêt, c'est qu'au bout des 5 minutes d'activité à écouter, à dire, à It's your turn, la tablette va se couper et on ne pourra plus en faire. Donc ça, c'est très bien. Ah, c'est bien dans ça. Un usage raisonné des écrans, c'est parfait.